Salut à tous, c'est Falcor sur Lego Star Wars, la saga Skywalker, et je m'apprête à commencer l'attaque des clones. Et ça a l'air d'être déjà un joyeux bordel. Incroyable. Allez-moi ça, il se tire dessus, c'est ultra violent. Bref, c'est parti. Ce son là. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Sénateur, nous allons nous poser sur Coruscant. Très bien, lieutenant. On y est arrivé. J'ai eu tort de revenir. Ce vote est très important. Alors venez. Roll. Pourquoi elle a un truc blanc dans les cheveux? Véritable Jedi, ah bon? Je me sens responsable. Vous avez fait votre devoir, tout comme elle. Maintenant, prenons une navette jusqu'au Sénat. Ouais, voilà. Une navette jusqu'au Sénat. Eh ben tiens, le plus proche est là-bas. Alors, il y a le petit texte qui défile là, en début de chaque épisode pour voilà, raconter l'histoire et tout. Je vais sûrement être obligé de le couper parce que pour l'épisode 1, j'ai dû l'enlever. Car la vidéo était bloquée à cause de ça. Car il considérait que c'était une atteinte à droit d'auteur d'ordre visuel. Et c'est pas bien. Pas de chauffeur, pas de problème. Ouais. Profitez du voyage. On me profite. Padmé pas de mais pas contente, hein. Est-ce qu'on reconnaît bien que c'est pas de mais? Ouais, bof. Ah, sénatrice, nous avons appris l'explosion qui a eu lieu sur la plateforme. Quel soulagement. Sénatrice Amidala, cette tragédie sur la plateforme, épouvantable. Le comte Dooku a fomenté cet attentat. Le comte Dooku était un Jedi. Ce n'est pas un assassin. Maître Jedi, je propose que la sénatrice soit placée sous la protection de vos excellences. Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Annie? C'est fou comme tu as grandi. Vous aussi. Enfin, vous êtes encore plus belle. Ah ah, lol. Pourquoi moi j'ai pas de cap? Bien, maintenant que les retrouvailles sont terminées, laissez-nous vous escorter jusqu'à vos quartiers, sénatrice. Merci, maître Kennedy. Mais ce ne sera pas nécessaire. Ce sont des réponses qu'il me faut. Je dois savoir qui cherche à m'éliminer. Nous sommes là pour vous protéger, sénatrice. Et non pas pour enquêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Des hologrammes! Nous les rechercherons. Je vous le casse tout, moi. Notre mandat ne le prévoit pas, mon jeune Padawan. Je ne pensais qu'à mieux assurer sa sécurité, maître. Peut-être que votre seule présence suffira à comprendre tout ce qui entoure ce mystère. Mais chier, dès que je suis trop proche d'elle, je suis obligé de marcher. Ah, parce que je voulais essayer d'atterrir sur sa tête pour que ce soit elle qui m'emmène. Hein. Ah. J'y arrive pas. Je peux pas courir, hein, ça me force. Ah.
La compagnie de Padmé et la mienne t'ennuie déjà, jeune Padawan? Non, bien sûr que non, maître. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous y sommes presque. Mes appartements sont juste là. Il veut aller dans son appartement, Anakin. Nous y voilà. Allons-y. Merci de m'avoir escorté jusqu'ici. Maintenant, si vous le permettez, je vais me retirer. On casse tout. Une argent. Alors, je pense que le premier niveau va très bientôt démarrer. Enfin, quand je dis premier niveau, c'est le premier niveau avec les défis et puis les mini kits. Parce que je pense que ça va être l'espèce de course-poursuite. Ici. Surtout ne la laisse pas s'échapper. Et attention quand tu tires. Il y a des civils partout. Nous allons l'arrêter, maître, je vous le promets. Super. Je te tire dessus. Mais si on pouvait éviter de mourir avant, ça m'arrangerait. Non, on va pas mourir, arrête tes conneries. Vous, maître. Je suis un pilote hors pair. Tu as encore beaucoup à apprendre sur plein de choses, mon jeune apprenti. Et voler fait partie de cet enseignement. Tiens. Civil. Anakin, fais attention à ce coupleur d'énergie. C'est ça le coupleur d'énergie? Même pas si j'ai esquivé quelque chose. Bah, il est où? C'est lui là? Merde. Je t'aurai. Ah mais je crois que c'est ma vie en fait le... Attends. Ouais, faut peut-être vraiment pas que je passe là-dedans. C'est quoi ça? Oups, j'ai ramassé un mini-kit. Presque. Je perds plein de vie là, je comprends même pas ce qui fait que j'en perds autant. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds autant de vie? Je comprends même pas ce qui me touche. Ah! Là, y a des débris, alors je sais pas si c'est ça. Voilà. Solide. Ne perds pas de vue, Anakin. Alors, est-ce que je m'améliore, maître? Bien, je suis encore vivant, c'est déjà ça. C'est plus compliqué que ça. Il va crever, c'est bon. Oula. Je t'ai eu. Qui t'a engagé? Un chasseur de primes du nom de... Une pointe empoisonnée. Ah.
On va devoir se séparer. Raccompagne la sénatrice Amidala sur Naboo. Elle y sera plus en sécurité. Bien, maître. R4, tu vas pouvoir me rendre un service. Ah, savon pour lave-vaisselle. LOL. Meilleur pilote de la galaxie, c'est un raccourci. Ah. Ah bah c'est sûrement parce que je suis passé directement sous un truc là. Ok. Ouais, ça c'est normal. Un vieil ami qui tient un restaurant près d'ici reconnaîtra peut-être cet objet. Allons voir s'il saura nous dire quelque chose sur cette pointe, d'accord? Oh, un droïde astromécano. J'en suis où au niveau des briques? J'en ai 15. Donc je peux pas encore améliorer mon sprint. J'adore le sprint. C'est la vie. Oh, c'est gigantesque. Encore une fois, les autres jeux Lego ne nous ont pas habitués à ça. Comment ça? T'aimes pas les raccourcis, mon petit Obi-Wan? Regardez comment ils courent vite! Voilà. On se calme, on se calme. J'arrive. Voilà Dex. Tu tombes mal, malheureusement. Ma meilleure serveuse Vanda a pété un câble et je me retrouve avec tous ses clients sur les bras. Tu penses que tu pourrais aider un vieil ami en apportant les commandes des clients? Il faut que je répare Vanda. Quand on aura terminé, on pourra discuter. Qu'est-ce que t'en dis? Super! Il te suffit de prendre les commandes des clients et de leur apporter. Si un droïde en est capable, je suis sûr que c'est à la portée d'un Jedi, hein? Mais là, je me rappelais pas du tout de ce mec. C'est qui, lui? Alors, c'est une commande, ça? Là, il y a une erreur. Parce que c'est pas du tout un 4 quarts, ça. Non, non. Un 4 quarts, il veut un 4 quarts. C'est ça, les commandes? Oh, c'est pas un 4 quarts non plus, ça, attends. Parfait. Merci beaucoup. Moi aussi. Rien de tel qu'un grand jus de Jawa. Où est passée la serveuse? Du jus de Jawa? Ah, ça doit plutôt être ça. Tiens, Billy. Mon jus de Jawa. Merci. Ouais. Je peux avoir mon Soda Club Sandwich. Je suis garé en double fil. Ouais, il n'y a pas du tout une voix qui va avec son corps. Le sandwich, il serait pas en cuisine? Ah, ou pas? Bah. Ah bah oui, il est là, c'est le truc que j'avais sorti. Ah mais quoi, oh, je veux ça. Ça a l'air délicieux. Ben ouais. Il y en a d'autres? Ah bah oui, putain, je les avais pas vus. Allez, c'est lui qui veut le godet. Mieux vaut tard que jamais. Ah là, je le savais. Et la cuisse de poulet. Miam, je vais me régaler. Dinner. Voir cette tête à lui, là. J'arrive pas à voir sa vieille tronche. Il a pas l'air bien beau. Ah, salut. Tout le monde a eu sa commande? Super. Je t'en dois une belle. Et Vanda aussi. Il m'a fallu un peu d'huile de coude, mais elle pourra bientôt se remettre au travail. Ouais, alors de quoi est-ce que tu voulais me parler? Assieds-toi, je suis à toi dans une minute. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une pointe de Kamino. Kamino, ça ne me dit rien. C'est dans la République? Non, c'est au-delà de la bordure extérieure. Les...
Kaminoïens vivent entre eux. Ce sont des cloneurs. Des cloneurs. Non, R4. Je ne me souviens pas avoir vu Kamino sur les cartes. Allons voir aux archives. LOL. Je n'ai jamais entendu parler de Kamino non plus. Entrons les coordonnées que Dex nous a données dans les archives Jedi. Les coordonnées ? Ah, voilà. Je savais que tu aimais bien les raccourcis. Non, parce que je fais ça, mais les pièces ne viennent pas à moi automatiquement. Donc c'est moyennement utile. C'est très perturbant, là, tous ces trucs. Oh, c'est pour faire une course ? J'ai mort ! Mais si on regarde la carte, on s'aperçoit que c'est pour gagner un petit caillou. Mais ça, j'ai envie de faire tout ça dans une seule et même vidéo. Je veux pas... Voilà, je veux rien faire dans les mondes ouverts pour l'instant. Raccourci. Allez. Quartier fédéral, oui. Oui, oui, oui. C'est, voilà, c'est ce qui est indiqué pour continuer ma quête. Yo, Chenubian de type A. Vitesse max 1000 km/h. C'est pas mal quand même. C'est super intéressant. Bienvenue au célèbre quartier fédéral de Coruscant. Merci d'avoir voyagé en notre compagnie. Bah, il faut pas que je cache le texte quand même. Oulala. Donc quoi, attends, faut que je revienne là maintenant pour pouvoir... Vous voulez qu'on vous dépose quelque part ? Voilà, temple jeudi. Profitez du voyage. Ouais, j'observe un petit peu la ville. C'est pas trop mal foutu quand même. Hein. Non, 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 je ne veux pas, merci. Ne t'inquiète pas. Je sprint tellement vite. Oh. Salut toi. Yeah. Je suis un passionné de violence, moi. Je suis un ouf. Zui, zui, zui. D'accord, R4. Entre les données de Dex dans le terminal. Est-ce qu'il peut planer comme... Ah non, il peut pas planer. Aïe. Comment on fait déjà, comme ça? Voilà. Bah, ah oui, d'accord. Non! Ah d'accord. Voilà, là c'est extrêmement compliqué. Bon. Je commence l'histoire. Enfin, je continue l'histoire. D'après Dex, Kamino devrait se trouver là. Mais à ce que je vois, elle n'y est pas. Une planète. Maître Obi-Wan a perdu. C'est ennuyeux. Il n'y a rien ici. La mémoire gravitationnelle demeure. Ah ? Très bien. Rends-toi au point de convergence gravitationnelle. Et ta planète, tu trouveras. Mais, Maître Yoda, qui a pu supprimer des documents archivés ? C'est impossible, n'est-ce pas ? Seul un Jedi aurait pu effacer ces fichiers. Mais qui ? Et pourquoi ? Difficile. Je coupe la parole comme un sagouin. Regardez le sprint de... comment il s'appelle ce droïde? C'est pas R4. Allez donc, qu'est-ce qu'il faut se balader?
besoin d'un taxi pour aller quelque part, ne cherchez pas plus loin. Ah. Bonne route. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, mais dis donc, ils me font cavaler! C'est dingue! Je monte! Et je voyage à Camino! Tipoca City. Oui. Oui. Ah, ça va faire comme... Quand j'ai atterri à Tatooine, là, ça va être extrêmement long. Là, en fait, Là, je peux me balader un petit peu de gauche à droite. Ah bah non, Ah, je peux plus bouger. C'est fini. Alors, voilà Camino. Dommage que la météo ne soit pas avec nous. Tâchons de trouver quelqu'un qui connaisse notre mystérieux chasseur de primes. Yeah! Bon, et bien voilà! Nous sommes arrivés à bon port et... Est-ce qu'on s'arrête? Non, on va pas s'arrêter là maintenant. On va un petit peu plus loin quand même. Parce que ça fait un peu court. Maître Jedi. Je vous attendais. Bienvenue. Voilà. Après toutes ces années, je craignais que vous ne veniez plus. J'étais attendu ? Bien sûr. Dites à votre maître que sa commande sera honorée dans les délais. 200 000 unités sont prêtes, et 1 million en bonne voie. Je suis sûr qu'il sera fier de l'armée que nous avons créée. L'armée ? Oui, une armée de clones. Mais vous devez être impatient d'inspecter ces unités. Par ici, je vous prie. Lorsque mon maître vous a contacté au sujet de cette armée, vous a-t-il dit à qui elle était destinée ? Bien entendu. Maître Sifo-Dyas a commandé cette armée pour la République. Pardon, Maître Sifo-Dyas ? Il a été assassiné il y aura bientôt 10 ans. Je suis navré de l'apprendre. Quelle étrange planète ! Très impressionnant. J'espérais que vous seriez satisfait. Les clones ont une intelligence créative. Vous verrez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Je suis sûr qu'ils ne parlent pas de toi, R4. Ces clones, quels âges ont-ils ? Oh oui, nous utilisons la croissance accélérée. Sinon, il faudrait une vie pour amener un clone à maturité. Je vois. Ils sont parfaitement dociles. Ils obéissent à tous les ordres. Nous avons modifié leurs gènes pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Et qui était le sujet d'origine ? Un chasseur de primes, Jango Fett. Un chasseur de primes ? J'aimerais rencontrer ce Jango Fett. Je me ferai un plaisir d'arranger ça. Oh là là, les reflets, outre tout ça. Outre ces appointements qui sont considérables, Fett n'a demandé qu'une chose. Un clone non modifié pour son usage exclusif. Curieux, non ? Non modifié ? Son double génétiquement pur. Pas d'altération génétique pour le rendre plus docile, ni de croissance accélérée. Ah, c'est le gamin, c'est Boba Fett quand il était petit, ça, je crois. Bah oui, c'est lui. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai peut-être l'esprit un peu mal placé, hein. Jeté. Bon, on verra plus tard, hein. C'est super grand, mais dis donc. Là, vous regrettez pas hein, que
que je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Là, on se régale. Le mec, il en a rien à foutre que je casse tout à côté de lui. Voici la chambre de Django. Voulez-vous le rencontrer? Bien sûr. Django, vous êtes de retour. Je vous présente le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Il est venu voir où nous en étions. Vos clones sont très impressionnants. Vous devez être fier. Qui vous a engagé pour ce travail? J'ai été recruté par un certain Tyrannus. L'armée vous plaît? Je suis impatient de l'avoir à l'œuvre. Merci de votre accueil, Django. Toujours un plaisir de rencontrer un Jedi. J'ai l'étrange sentiment que ce chasseur de primes est l'assassin que nous recherchons. Si nos soupçons sont exacts, il voudra partir rapidement d'ici. Allons à la plateforme d'atterrissage la plus proche. Salut. Bon, là du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il me semble que dès qu'on va à la plateforme d'atterrissage, c'est là que ça commence à être la merde. Alors en tout cas, c'est... Ouh, c'est vachement plus calme que dans la version... Remarque. Non, c'était calme quand même, la version de la saga complète. Je l'avais dit que je comparerais beaucoup. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé. C'était Falcor, des bisous.